Ah! Enfin, te voilà, toi! Tu me fais de jolis coups, tu fais? Dis donc, il te manque des dents. Oui, fais rien. Une algarade avec la police. Ils m'ont encore fait deux dents, mais fais rien, fais pas inquiet. Fais pas repouffer. Tais-toi, pas un mot, c'est Marie. Quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est Marie, je te dis, c'est Cassagne. Ah, c'est Cassagne, eh bien, tant mieux, vivez Cassagne. Non, voyons, pas du tout. Ha, tu vas bien? Oui, il va vivre pas de faim. Va te prier de me dire... Tout à l'heure, je te dirai ça, tout à l'heure. Mais dis donc, tu tutoies dans ton chemisier? Oui, c'est un chemisier d'enfance. Ah! Mon cher Morisset, je te présente mon ami Cassagne. Enchanté, monsieur! Trop aimable! Encore une fois, je te prie de me dire... Tout à l'heure, mais es-tu pressé? Est-il pressé? Ah oui, pardon. Je ne vous cacherai pas, monsieur, qu'il est dans mes intentions de me faire faire avant peu une douzaine de chemises! Ah! Allons bien. Monsieur, plaît-il, monsieur. Alors, plaît-il, je ne vous cacherai pas que je désire avoir quelque chose de précis à 14 francs au plus, et... Non mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Pardon? Non, je dis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Oui... J'avais bien compris la première fois. Oui, non, je fais, il y a du débit parce que les vannes sont ouvertes. Alors, ça fait un flot continu de salive et de postillons qui s'engouffrent dans la brèche. La brèche, pas la région de France où il y a du poulet. La brèche qui a été ouverte ici avec les deux dents cafés. Très bien. Oui, la brèche. Ça s'appelle une brèche. Parfait. Quand une brèche est ouverte, ça s'engouffre. On s'engouffre, dit-on, dans la brèche. Voilà. Et vous vrai dire, d'ailleurs, vos pauvres gars drôles, vous vrai dire à ce sujet que le postillon, oui, étant évidemment plus prompt à la fortie. À la fortie. Le postillon n'est pas arrêté par une barrière comme le poisson requin par la barrière de corail. Ah, ouais. C'est pas du fédon, enfin, fais de moi, ça. T'inquiète pas, on va venir. T'inquiète pas, on n'est pas préfet, on est samedi, toute façon. Et il faut vrai dire, d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'il me vient une idée, non pas une allégorie, mais une métaphore assez rigolote, qui me permettrait de dire que le postillon fait dilivance. C'est un supplément. Dis donc, on va peut-être pas se coucher. Non, mais c'est parce que j'ai été branché sur l'histoire du postillon. Voilà. Et que je vois que ça intéresse M. Cassagne. On est là. En tout cas, on va s'entendre à une bavette. Voilà. D'ailleurs, le terme est bien choisi. En tout cas. Et puis là, en tout cas, comme phrase, donc il fait que ça, en tout cas, ça repart. Oui. En tout cas. Ça lui permet. Le en tout cas lui permet de coller au peloton, vous voyez. En tout cas. Peloton. Par rapport à l'époque. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est une métaphore cycliste, alors que peut-être qu'à l'époque où nous parlons, il n'y avait pas de vélo, peut-être. Je ne sais pas s'il y avait des vélos. On peut en parler. Non. Il y avait des vélos, monsieur, en 1893. Vous voulez venir? Non, mais il y avait des vélos tels qu'on les connaît, ou il n'y avait pas plutôt simplement la drévienne? C'est-à-dire le cadre avec les deux roues, puis les gars, ils avaient une felle, hein, mais... Les gars, qu'on fait avec les pieds? Et puis, la drévienne. Voilà, c'était la drévienne, hein. La drévienne qui a été... Non, ça fait la danse du fien, ça. Qui a été inventée par monsieur Dré. Il n'y avait pas de pédale, la pédale est venue beaucoup plus tard. Ouais. Alors après, elle nous a pas lancé. En tout cas. À lui,
a pas fond fait de braquer, mais il a fait en tout cas la tête dans le guidon. Et hop là, en tout cas. En tout cas. Fait le Yves Saint-Martin de la bicyclette. Oui. En tout cas. Non, on va y aller, on va y aller. Ben. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que tu aies besoin de chemise? Ah ben non, mais attends, enfin, mais puisqu'il est chemisier... Mais il fait bien de chemise, fait de pantalon qu'il fait. Mais puisque je vous rencontre, monsieur, vous ne serez pas fâché d'avoir avec vous une petite conversation? Ah ben volontiers, monsieur. Ah ben oui, voyons. Nous avons le temps. Ah bon, ben alors... Enfin non, plus maintenant. Ouais.